Hey yo les gens, c'est Oni, on se retrouve pour une petite vidéo sur Skyrim. Et là, je vous montre la deuxième quête pour passer dans la guilde des assassins. Donc après avoir fait cette quête, 3 jours après, vous verrez un messager comme ça. Exactement celui-là ou d'autres, qui va venir vous parler et qui va vous dire vous avez un message, machin. Et après, vous avez juste à dormir dans un lit. Donc on se retrouve juste après, juste répondre à lui avec vous. Je l'ignore. Un type louche en robe noire. Impossible de voir son visage. Il m'a payé une bonne somme pour vous donner ça. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'il nous a donné. Hop, ça doit être dans ça. C'est celle-là. Voilà, nous savons tout. Donc en gros, ça c'est la confrérie noire. Après, vous avez juste à dormir. Donc on se retrouve juste après avoir dormi. Voilà, donc là, j'ai loué une chambre. Et on va juste dormir, normalement. Le mec va arriver. Voilà. Dormez bien. Quelle importance. Vous êtes au chaud, au sec et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille Grélode, n'est-ce pas? La moitié de Bordeciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se répandre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Ah, mais il y a un léger problème. Figurez-vous que le jeune Arétino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Grélode la Douce était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. Bah si tu veux, je te redonne ton assiette, y a pas de souci. T'inquiète, j'ai pas été beaucoup payé, je te la redonne volontiers. C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais de qui s'agit-il? Allez, voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tuez l'un d'entre eux. Ok. J'aimerais vous observer et admirer. Vous voyez? Je savais que nous pourrions résoudre cela comme des êtres civilisés. Toute dette doit être remboursée. Vous le comprenez? Allez, on s'active. Faites votre choix et expédiez le pauvre bougre dans le néant. Je vais vous donner la clé de cette cabane et vous vous mettrez en chemin. Ok. Alors, c'est qui le tueur? Je vous entends parler. Je vous entends. Quoi? Oh, par les dieux, je ne veux pas mourir. Pitié! Je sais pas. C'est vrai, je suis un soldat. J'ai tué des gens. C'était les ordres. Mais c'est la guerre, pas vrai? Personne. Ok, donc un soldat. Enlevez-moi! Lâche! Qui je suis ne vous regarde. Mara, mes témoins, si je n'avais pas... Pardon? Quel genre de question est-ce là? Je suis agenouillée là, les mains liées dans le dos et un sac sur la tête, et vous avez le toupet de me demander ça? À votre avis? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces inégalités. Ok, donc une grosse salope. Une maison à entretenir et des gens pas à nourrir. Laissez-moi partir. Vous parlez sérieusement? Imbécile, vous ne comprenez pas. Je vis dans l'ombre de la mort. Un couteau à chaque pas de porte, une flèche encochée sur tous les toits. Si l'un de mes ennemis refusait d'engager quelqu'un pour me tuer, je le prendrais comme une insulte. Lui se la pète un peu trop, du coup je vais tuer lui, même si elle, j'aurais bien aimé la tuer aussi. Je vous promets que... Ferme ta gueule. Et puis en plus, ça, je peux tuer les deux. Voilà!
Et toi, je te laisse partir. Je vous en supplie, laissez-moi la vie. T'inquiète, frère. Je m'appelle Fulltime. C'est tout. Je suis personne. Vous pourriez pas me laisser partir? Si, si, vas-y. Salut. Alors. Il y a un coffre là. Vide, ok, super. Bon, mais voilà. Il faut une clé, mais elle m'a pas laissé la clé par hasard. Ah, elle me l'a peut-être laissé sur le corps et du coup, ça voudrait dire que, que c'est lui. Je vous entends parler. Non. Et laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. Bon, bah, je crois que je vais devoir te tuer, je suis désolé. Ah, bah non, elle est là. Salut. L'épouse et mère intrépide d'un côté. Oh non, non, non. Ne comprenez-vous pas. La culpabilité, l'innocence, le bien, le mal. Ce n'est pas le propos. Ce qui compte, c'est que je vous ai ordonné de tuer quelqu'un et que vous avez obéi. Bien sûr. Vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. J'aimerais vous... Dans les contrées au sud-ouest de Bordeciel, dans la Pinède, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route. Lorsque la porte noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. On vous fera entrer, et votre nouvelle vie commencera. Je vous verrai à la maison. Ok, salut. Voilà, donc là, on a fait tout ce qu'il fallait pour rentrer dans la confrérie noire et on va y rentrer, ça va être trop bien. Il faut aller où? Hop. Ça dégage. Il faut aller où là? Elle là. Quoi, ici? Non. Bon, j'ai la blancherie, je vais prendre le truc. Avez-vous vu un chien dehors? Je ne sais pas vraiment. Le forgeron offre une récompense pour un chien qu'il a aperçu sur la route. J'espérais que vous l'aviez vu. Je crois que je vais rester de garde. Ne vous attirez pas d'ennui tant que vous serez là. Ok, ok. Du coup, on est arrivé. Il faut aller... Là-bas, bon, on va y aller. On va y aller à pattes. C'est bon, on y est. Oh! Quel est le chant de la vie? Elle m'a dit dire quoi déjà? Bienvenue chez vous. Bienvenue chez moi. Ok, donc on y est maintenant. Faut aller parler à Astrid. Qui est ici? Oh. Ah, enfin. J'espère que vous avez trouvé facilement. Oui, j'ai fait un peu toutes les villes et j'ai trouvé, ouais. Maintenant, vous commencez votre nouvelle vie au sein de la confrérie noire. Vous faites partie de la famille, après tout. Comme vous pouvez le voir, ceci est notre sanctuaire. Vous ne trouverez pas d'endroit plus sûr dans tout bord de ciel. Je veux tuer. Bientôt, trésor. Bientôt. Je suis en train de vous arranger une mission, mais il me faut encore un peu de temps. Allez voir Nazir. Il aura peut-être plusieurs petits contrats pour vous dépanner. La mère de la nuit arrivera bientôt. À ce moment, les choses deviendront à coup sûr bien plus intéressantes. Ah, une dernière chose. Voici un cadeau de bienvenue. L'armure de la confrérie noire. Trop bien. Qu'elle puisse vous servir dans toutes vos entreprises. Frère? Encore, encore. Ah non! Je suis plein. Bon, alors, je vais m'équiper déjà. Petite armure de la confrérie. C'est où?
C'est là. Ça, tu vas faire ça. Comment ta résistance au poison? Ça pue la merde, je la mets pas. Ah, ça, d'accord. Donc du coup, ça dégage. Ça dégage, je sais même pas pourquoi je l'ai. Ah, ça c'est bien aussi. Ça dégage. Oh, les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires, mais c'est trop bien pour moi ça. Nickel. Vous achetez des bons. Juste pas mis l'armure. D'accord, d'accord. Attendez. Alors voilà. Ok, non, je vais quand même la mettre parce que là ça fait vraiment moche. Hein. On dirait un clochard. Je vais la mettre, je vais la mettre. Ok, ok, ok. Et là, on dirait Spider-Man, version homosexuelle. Oh oui, très bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie. Votre beau sourire. Vos dents. Vos dents. Non. Ah. What the fuck? Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie. Votre beau sourire. Vos dents. Vos dents. Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule deux secondes? Et qu'en est-il de votre nouvelle famille? Eh, t'es stylé, toi. Alors, vous êtes le nouveau membre de notre petite famille dysfonctionnelle. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Waouh, quelle assurance. Je vous donne 3 jours avant que vous ne fassiez une erreur et que quelqu'un vous tranche la gorge. Ça marche, j'accepte. Et qui sait, ce ne serait pas la première fois que j'ai tort. Vraiment. Eh bien, il se trouve que j'ai effectivement quelques contrats dont je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper. Et j'en reçois d'autres de temps en temps. Je vous les confierai au fur et à mesure et vous pourrez les accomplir à votre gré. Évidemment, pour être honnête, ce ne sont pas des assassinats très importants, et la paye n'est pas glorieuse non plus. Mais au moins, ils vous occuperont. Faites de votre mieux. Inutile de vous presser, les cibles n'iront nulle part. Vous pouvez rendre vos contrats un par un à mesure que vous les terminez, ou bien attendre que toutes les cibles aient été éliminées. C'est vous qui voyez. Ah ouais, vas-y, je vous apprendrai ça. À l'utiliser efficacement et à conserver votre agilité. Ça coûte cher quand même. Bon allez, j'ai pas revolé tes sous, de toute façon je pourrais pas. Vous avez beaucoup de gens à tuer, mieux vaudrait vous mettre au travail. Vous avez beaucoup de gens à tuer. Ok, je vais quand même essayer. Mieux vaudrait vous mettre au travail. Soy. C'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Ah, 0% de chance de voler. Ah! Attends, reviens du coup! Frère! Frère! Je vous apprendrai à. Mais non, mais pas ça, je m'en fous! Efficacement et à conserver votre agilité. Non, mais tais-toi! Donne-moi! Allez, s'il te plaît. Je vous apprendrai à utiliser efficacement et à conserver votre agilité. Vous empestez la mort. Oh. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. J'ai 3 contrats pour le moment. Vos cibles sont Narfi le Mendiant, un ancien ouvrier de Syrie du nom d'Enodius Papius, et Béthilde, propriétaire d'une mine. Lorsque vous aurez rempli ces 3 contrats, j'en aurai peut-être d'autres à vous proposer. Ça marche. Allez, partez. Bon, par contre, tu vas être calmé. Ok, donc on commence à avoir nos quêtes là, tranquille, tranquille. Du coup, je vais vous laisser ici. Et on va commencer à faire les quêtes de la confrérie noire, ça va être cool. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait vraiment plaisir et même à partager. C'est vraiment beaucoup pour nous, pour un tout petit geste.
Donc merci à vous. Tchou!